Alors aujourd'hui, on est au Parc des Sports du Plessis-Robinson pour la deuxième édition du tournoi international de flag rugby qui, cette année, compte 16 équipes. On a le premier tournoi 6 nations de l'histoire de Special Olympics. Comme l'année dernière, on a le plaisir d'avoir le soutien de notre partenaire principal, Sonépar, qui nous permet de financer et de créer ce tournoi-là. C'est génial de voir Sonépar autant s'impliquer. Ce partenariat pour Sonépar, il est très important parce qu'il s'agit de changer le regard sur le handicap et c'est le sens de notre engagement à travers Special Olympics et aussi vis-à-vis de nos équipes en tant qu'employeurs et entreprises. Le sport est effectivement une occasion unique de créer des liens qui gomment les différences. Nous sommes tous égaux et dans une énergie et une joie et un enthousiasme partagés. C'est hyper sympa de voir l'engagement des collaborateurs de Sonépar dans une occasion aussi unique qui rassemble des athlètes à travers le sport. On partage les mêmes valeurs et c'est vraiment fou de voir autant d'engouement et de bienveillance les uns avec les autres. It's not just about the rugby, it's about the inclusivity of people. And it's all about the people here and it's all about the experiences that these guys have that they'll remember forever and so will we as parents. It's a beautiful thing. As a father, it's great to see my son interacting with the cultures from different nations. It's a magical experience. It's great for the athletes because they learn a little bit of independence, they meet people from other countries and they just have a really, really good time. It's been fantastic. On les voit, les sourires, les gens heureux, du partage, la communion, de l'entraide, on garde des souvenirs magiques. Le sport est tout, on est tous au même niveau aujourd'hui. Mon rôle, c'est d'apporter mon expérience du rugby, d'aider les athlètes en fait, à découvrir le rugby, essayer de faire de son mieux pour le partenaire, pour l'équipe, pour soi-même aussi. C'est très enrichissant, ça donne des frissons. Ce tournoi, c'est juste génial, on s'amuse, on est comme des enfants. Et on repart de là avec plein d'énergie et surtout les enfants nous donnent ce sourire qui nous donne une énergie incroyable. Et donc quand on retourne au travail, on est beaucoup plus sensible à nos collègues qui aussi vivent le handicap tous les jours. Ça permet de rapprocher sur des dimensions plus humaines. Nous portons avec conviction un enjeu d'inclusion au sein de nos équipes. Le sport, en particulier dans cette année olympique, est une très belle manière d'illustrer et d'incarner cet enjeu d'inclusion. Quand je les regarde, je vois juste des yeux qui pétillent et des étoiles plein la tête. Donc c'est juste une magnifique expérience et un grand moment de partage. On fait rencontrer du monde, moi qui ne vois pas forcément beaucoup de monde, ça me permet de découvrir d'autres cultures, d'autres sportifs. J'avais adoré la première fois et de pouvoir revenir, c'était super. L'année 2024, c'est une super réussite et 2025, on sera encore plus nombreux.